Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, utilisez ces féroces soldats. Ils viennent juste dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, bien sans impure. Sinon, au porte drapeau. Drapeau. Est un ordre français qui a été institué le 3 décembre 1963 par le général de Gaulle. Il récompense les mérites distingués, militaires d'actifs ou de réserve, ou les mérites civils rendus à la nation française. Il remplace d'anciens ordres ministériels et coloniaux. Sa création permet de revaloriser l'ordre national de la Légion d'honneur, créé par Napoléon Bonaparte le 20 mai 1802 pour récompenser les mérites éminents. Il comprend également, comme la Légion d'honneur, trois grades, chevalier, officier et commandeur, ainsi que deux dignités, grand officier et grand croix. Le président de la République française est le grand maître de l'ordre. Le chancelier de la Légion d'honneur est le chancelier de l'ordre national du mérite. Voici ce qu'on pouvait dire très rapidement. Merci. Mon cher Belkacem, tu as bien mérité d'être décoré de l'ordre national du mérite. Et tu l'as bien mérité à trois titres.
Le premier, c'est que, vu les conditions effroyablement douloureuses dans lesquelles ta famille a traversé la mer, tu étais âgé de quelques mois, puisque tu m'as dit que tu es né quelques mois avant l'indépendance de l'Algérie. Et vu les conditions dans lesquelles vous avez été hébergé à Saint-Maximin, tu m'as dit, un bulldozer est venu pousser les ordures de la décharge, on nous a mis des tentes et on était là. Vu ensuite ce que tu dis toujours à nos élèves, c'est-à-dire le fait qu'il y a une ségrégation, et vous n'avez pas pu faire une scolarité totale. Bien vu toutes ces circonstances, tu pourrais être, comme certains, plein de rancœur. Et tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas parce que, en passionné d'histoire que tu étais capable de prendre de la hauteur, de prendre de l'altitude, et de réinsérer toute cette aventure douloureuse dans l'ensemble de l'histoire des relations entre la France et l'Algérie depuis 1830, dans l'histoire de l'armée d'Afrique, et tu as tenu à ce qu'elle soit représentée ici, et je t'en félicite. Et pour toi, tout ceci s'intègre dans une histoire d'ensemble, sur plus d'un siècle et demi, avec ses lumières, avec ses ombres. Et c'est toute cette richesse que tu portes en toi qui fait que tu n'as pas de rancœur, que tu acceptes tout ça, et que tu contribues à désamorcer justement les rancœurs de certains. Deuxième raison pour laquelle tu as bien mérité d'être décoré de l'Ordre national du mérite, c'est le rôle que tu joues à la maison d'histoire et de mémoire d'Ongle, qui nous domine. Tu en es un pilier, tu en es un rouage essentiel. Tu nous donnes des tas d'idées, tu nous donnes des tas d'explications. On s'adresse à toi pour demander, et alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Tu as une connaissance du monde des anciens supplétifs que très peu de gens ont en France. Et sans toi, nous aurions beaucoup de difficultés. Donc ta collaboration au fonctionnement de cette maison en tant que vice-président de l'association est ultra précieuse. Troisième raison pour laquelle tu as bien mérité cet ordre du mérite, ce sont les aptitudes pédagogiques exceptionnelles dont tu fais preuve vis-à-vis des collégiens et des lycéens que nous recevons pour des journées pédagogiques ici. Il y a quelques mois, je t'ai dit, tu as le même don que Obama. C'est-à-dire que les mots te viennent avec une logique. Tu as compris un certain nombre de procédés oratoires pour capter l'attention des gens. C'est assez prodigieux. Et tu es un pédagogue comme il y en a très peu. Tu finis toujours, toujours, par un hymne à l'école en disant « Seule l'école, seul le travail peut permettre de se faire sa place ». Alors évidemment, nos professeurs boivent du lait, littéralement, en t'entendant toujours, toujours finir tes interventions devant nos élèves par cet hymne à l'école. Voilà. Donc, vraiment, vraiment, Belkacem, cet ordre du mérite, il était pleinement justifié. Il est pleinement justifié que la République reconnaisse l'apport que l'un de ses fils fait pour l'apaisement des mémoires et pour la transmission de cette mémoire. Voilà, je te félicite et te remercie pour tout ce que tu apportes. Associations patriotiques, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, les porte-drapeaux, mesdames, messieurs, chers amis,
soir, j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur, c'est le nom de Belkacem Gherouï, me demandant si le 25 de ce jour, je pouvais lui remettre la médaille de l'Ordre National du Mérite. Je ne le connaissais pas, j'ai appris à le connaître, parce qu'il est très bavard. Hein? Je lui ai demandé justement de venir à côté de moi. Il est ici, Belkacem. Finalement, j'ai dit oui tout de suite, et j'ai appris à le connaître, il est assez bavard, mais c'était formidable. Alors c'est avec plaisir, et surtout avec honneur, que je viens de lui remettre les insignes de chevalier de l'Ordre National du Mérite. Tu as bien mérité. Il est né le 3 octobre 1961 à Hakbal, petite ville près de Cherchel, en Algérie, toujours département français à cette date. En 1962, l'Algérie devenue indépendante, il se retrouva avec ses parents au camp de Rivesaltes. En 1963, ils furent transférés au couvent de Saint-Maximin pour être installés au hameau de forestage de cette ville. En 1980, jusqu'à son départ à l'armée en 1963 pour effectuer son service militaire, il fut nommé délégué des jeunes auprès du colonel Belkouda. Je ne sais pas qui c'est, quand je vous l'explique. Il m'a donné ce nom. Vous voyez déjà, il commençait déjà à s'occuper des enfants. Et vous, soucieux de vouloir rendre hommage au supplétif de l'armée française, aux militaires du bataillon d'armes d'Afrique qui ont participé au débarquement de Provence, sans oublier bien sûr la cause des Harkis, il fonda en 1991 l'association Mémoire de l'armée d'Afrique, dont il est toujours et encore aujourd'hui le président. Et depuis cette année-là, il organisait de nombreuses expositions, des conférences, des défilés de véhicules militaires, des anciens, et venir aussi des tabours, vraiment toujours s'occuper aussi bien des adultes que des enfants. Puis en 1995, il crée un atelier, toujours pour les enfants, il crée un atelier de soutien scolaire pour les enfants de Harkis, de Saint-Maximin, en organisant des sorties pédagogiques, des visites de musées, des expositions, etc. Cette même année, il crée également un groupe de travail pour l'association à la propriété des familles de Harkis, de Saint-Maximin, Riance, Bombe et Le Mut. Très très bien. En 1997, il participe à la création d'un salon du livre au couvent royal de Saint-Maximin. Le 21 juillet 2001, il est invité à participer à un devoir de mémoire au mémorial de Verdun, où il se rend bien sûr. Puis, en 2002, il est nommé membre du Haut Conseil aux rapatriés par le Premier ministre français François Fillon. Et en décembre 2007, il est invité à l'Élysée par le chef d'État à l'époque, Nicolas Sarkozy, au titre de président des associations Mémoire de l'armée d'Afrique. Infatigable jusqu'à ce jour, il a continué sur sa lancée à participer à toutes les cérémonies de mémoire et d'inauguration de stèles. Il devient même vice-président de la Maison d'Histoire et Mémoire, donc ici. Aussi, après tant de volonté, à vouloir transmettre le plus possible à tous, aux adultes, aux enfants surtout, la mémoire de notre passé combattant, pour que vive la France, nous le remercions de tout ce qu'il a fait et fera encore. Merci, Belkacem. Sois le bienvenu au sein des compagnons de l'Ordre National du Mérite. Yeah.
merci surtout aux citoyens, aussi et surtout aux citoyens et aux élus d'Angles et des communes environnantes, et même si je ne connais pas beaucoup le secteur, je l'avoue humblement, j'ai été charmé d'ailleurs en arrivant. Monsieur Benkassem Guiroui, cher Ben, merci de m'avoir fait, de m'avoir permis de faire ce voyage pour moi un petit peu dans, le, dans l'espace et dans le temps. J'ai dit tout à l'heure à avoir été vraiment charmé par l'accueil qui m'a été en quelques mots et en quelques secondes, quelques instants réservés par les élus de ce beau pays. On parlait de pays, toi et moi, pour caractériser notre village ces jours-ci, te souviens. Et il m'a semblé reconnaître la bienveillance et la générosité dont ont dû faire preuve les habitants de Angles à l'époque, au moment où il s'est agi d'accueillir une belle population d'Algériens, des Harkis. J'ai entendu parler de déracinement tout à l'heure. Je me souviens de l'état d'esprit dans lequel, avec ma famille, je suis arrivé dans ce pays d'Angles, charmé que j'ai été des contreforts de la montagne de Lure et de ce coin de Provence qui manifestement a sa très belle singularité. Ça saute aux yeux, ça se voit tout de suite. Je ne dirais pas que les élus vous sautent au cou, mais c'était presque ça. Donc merci pour ce... Merci Ben encore une fois pour ce voyage. Pour ce voyage dans le temps. Mais ça c'était juste mon état d'esprit, je n'avais pas être long, n'inquiétez pas. Et je ne peux pas m'empêcher, par la même occasion, de penser à, ou d'essayer de penser à ce qui a dû se passer dans la tête des Harkis lorsqu'ils sont arrivés à Angles. Et malgré le fait de l'accueil qui a dû être à la hauteur de leur déracinement et de l'aide qu'il fallait leur apporter, je compte sur toi les jours prochains, puisqu'on va continuer d'échanger. C'est quelque chose que je te demande. D'essayer de comprendre dans quel état d'esprit et avec quelle empreinte ils sont rentrés dans ce dans votre beau pays. Je terminerai Ben en disant que en essayant de me souvenir d'une des paroles chez nous dont on essaie de se souvenir lorsqu'on fait du travail de mémoire. Moi, je crois que c'est à vérifier, mais je l'ai attribué là, rapidement dans mon cheminement à un penseur, un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur, et qui dit quelque chose comme, qui parle du souvenir et de la mémoire, où on explique que le souvenir, ce sont les albums photos, ce sont le recueil d'histoire, mais que la mémoire, c'est quelque chose de différent, de plus vivant, de plus participatif. C'est cette mémoire que tu fais vivre. Et je crois que Paul Ricoeur dit que...